Voilà, bonjour, bonjour à tout le monde, bonne arrivée. Le Seigneur vous bénisse. Blessions, blessions. Voilà, connectons-nous massivement, partageons la vidéo avec nos amis, partageons-la en famille, invitons le maximum de personnes à se connecter, voilà, ce direct. Nous allons partager sur la grande semaine qui est en train de se passer, qui va se dérouler dans notre ministère. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, que ton nom soit béni, qu'il soit honoré au plus haut des cieux. Nous prions que ta bénédiction qui surpasse toutes choses nous dirige pendant ce direct et que ta grâce abondante nous soit accordée au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bonjour, partageons la vidéo au maximum. On n'a pas pu faire de live pendant toute cette semaine. Voilà, j'étais empêché à cause des différentes occupations qui m'ont absorbé. Voilà. Donc, ce matin, par la grâce de Dieu, nous avons cette occasion. Et avant de t'installer, partage la vidéo, s'il te plaît. Partageons cette vidéo au maximum. Rassure-toi qu'elle aille le plus loin possible. Que cette vidéo aille le plus loin possible par la grâce de Dieu. Parce que nous allons partager sur quelques sujets très essentiels et très importants ensemble. Et comme tu le fais, que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde au-delà du désir de ton cœur. C'est une grande semaine pour nous, une très grande semaine qui est en train de se préparer. La semaine passée, déjà par la grâce du Seigneur, nous avons été du côté de Berthois, où nous avons vu la main de Dieu nous accompagner pendant le grand culte des plaintes. Et cette semaine, ce sera le tour de Yaoundé et Douala. Voilà. À Yaoundé, ce sera le matin à 7h30. À Douala, ce sera le soir à partir de 16h, en Dogbon, derrière l'immeuble Kamlin. Donc, je voudrais exhorter tous nos bien-aimés à se préparer massivement pour ce programme. Mobilisons-nous massivement, massivement. Sincèrement, mobilisons-nous comme jamais on ne l'a fait. Pour tous ceux qui n'ont jamais assisté au culte des plaintes, je voudrais vous exhorter à faire cette première expérience et vous ne la regretterez pas, ça c'est clair. Donc, ce dimanche, tout le centre du Cameroun, ou quelle que soit la région de laquelle vous pouvez quitter pour venir à Yaoundé, alors venez, si c'est Douala qui est plus proche de votre région, alors déplacez-vous et venez du côté de Douala par la grâce de Dieu. Nous aurons ces deux grands cultes de plaintes. Il faudra comprendre ce que c'est qu'une plainte devant Dieu. Lorsque nous lisons par exemple la Bible dans Habacuc chapitre 2, le verset 1, la Bible dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Et ce que je répliquerai après ma plainte. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai à ma plainte. Voilà. Donc, dans ce passage, quand vous lisez la suite, c'est l'un des passages de la Bible les plus merveilleux et les plus efficaces en ce qui concerne la prophétie, la prière et l'exaucement. Voilà. Donc ici, c'est l'histoire du prophète Habacuc qui explique qu'il s'est mis sur la tour à son poste et il a prié, il a parlé à Dieu. Et pendant qu'il parlait à Dieu, il est resté à son poste et il dit qu'il voulait voir ce que Dieu lui répondrait par rapport à la plainte qu'il avait faite à Dieu. Donc, on pourrait expliquer que la plainte est fondamentale. Le culte des plaintes, c'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a
eu des gens dans les Saintes Écritures qui ont compris la nécessité de se plaindre devant Dieu, de porter plainte devant le Seigneur, de porter certains problèmes cruciaux au trône de la grâce, disant, Seigneur, voici tel problème me dépasse, voici telle situation dans ma vie, je m'en remets à toi, toi, le bon berger de mon âme, toi, le sauveur de mon âme, toi, l'auteur et le consommateur de mon salut. Donc, le prophète Habacuc va faire une plainte à Dieu et il restera attentif pour écouter la réponse de Dieu par rapport à sa plainte. Et vous verrez que Dieu va intervenir, Dieu va répondre, Dieu va réagir par rapport à la plainte d'Habacuc. Et je crois que plusieurs d'entre nous n'avons pas encore compris l'importance de porter plainte à Dieu. C'est pour cela que le Saint-Esprit a bien voulu que je puisse enseigner sur le culte des plaintes. Le culte des plaintes où nous venons avec nos familles pour nous plaindre, vous voyez. Lorsque Satan bloque ta vie, lorsque rien ne va pour ta vie, lorsque les choses sont caduques, lorsque les choses deviennent difficiles, lorsque les choses deviennent compliquées, il est important et très important de savoir qu'on peut porter plainte à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc c'est important à un certain moment de décharger ses soucis sur Dieu. Vous savez que le Seigneur nous a expliqué que personne d'entre vous ne peut rendre blanc ou noir un seul cheveu de sa tête. Si donc vous ne pouvez rien faire, gens de peu de foi, pourquoi vous souciez-vous? Ouais. Donc pour dire que c'est capital de comprendre qu'à un certain moment dans la vie chrétienne, il faudrait se retourner vers Dieu avec son fardeau parce que nous ne pouvons pas porter nos fardeaux. Nous ne pouvons pas résoudre nos propres problèmes. Nous ne pouvons pas trouver une solution à nos problèmes nous-mêmes. Il faut recommander notre sort à l'Éternel, mettre en lui notre confiance et Dieu le fera pour nous et le Seigneur interviendra. Donc, voilà pourquoi je vous exhorte très nombreux à ne pas manquer à ces deux grands cultes de plaintes. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas être là présent, vous pouvez être connecté par Facebook, par YouTube ou bien par Doulos FM. Donc, par l'un des moyens de communication dont nous disposons. Donc, chacun doit se préparer avec sa famille pour venir au culte des plaintes. Il y aura des formats ouin et des stylos ouin disposés pour ceux qui participeront. Et chacun, sur ces formats ouin, mettra ses plaintes. Ça veut dire que le sujet de prière, ce qui ne va pas, ce qui n'a pas marché, le domaine de sa vie où voudrait voir Dieu intervenir en sa faveur. Et lorsque nous ferons cela, nous nous mettrons à genoux, nous allons prier. Et je sais que Dieu nous exaucera, Dieu manifestera sa grâce. Et puis après cela, chacun de nous récoltera la bénédiction, récoltera l'exaucement à sa prière. Donc, il faut le faire avec foi et avec détermination. Et nous, nous préparons pour le culte des plaintes avec nos offrandes familiales pour nous présenter devant l'Éternel pour tout simplement renouveler notre alliance avec Dieu. Dis au Seigneur que nous l'aimons et qu'il est notre Dieu et qu'en dehors de lui, nous n'avons point d'autre Dieu. Et c'est à lui que nous ramenons nos cœurs et nos familles et nos maisons. La Bible dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le gouverneur. Heureuse la famille dont l'Éternel est le Dieu. » Donc, lorsque nous aurons fait cela, nous allons voir ce qui va se passer après. Il est important d'établir une alliance entre moi et l'Éternel, entre ma maison et l'Éternel. C'est important, c'est capital. Les chrétiens doivent prendre ces choses ici très, très au sérieux. Donc, c'est un culte de fête des familles où nous nous rassemblons pour célébrer le nom de Jésus-Christ. C'est un moment de joie, c'est un moment de réjouissance, c'est un moment de fête, un moment de célébrité, un moment de célébration où chacun avec sa famille prépare ses enfants, s'habille bien pour se présenter devant l'Éternel. Donc, si nous comprenons ces choses-là comme ça et nous les prenons au sérieux, nous allons en profiter, nous allons bénéficier de cela. Donc, je voudrais vous exhorter à prendre cette affaire-ci très au sérieux. Donc, nous aurons deux cultes familiaux combinés. Nous avons fini à Berthois. Maintenant, c'est le tour de Douala et de Yaoundé. De Yaoundé, ce sera à 7h30. Et du côté de Douala, ce sera à partir de 16h, ce dimanche 31 octobre. Donc, il y aura un lieu de faveur qui sera disposé pour tout le monde. Donc, quand vous arrivez, demandez votre bouteille d'huile de faveur. Il y aura aussi l'eau ouinte qui sera mise à disposition de toutes les familles. Chaque membre de ta famille aura droit à sa bouteille d'eau ouinte. Gratuitement, donnez même le bébé à la mamelle. Et pendant que nous venons, nous prenons cette eau, au moment, à l'heure de la délivrance et de la restauration,
Je crois que le Seigneur se manifestera avec puissance et avec force. Donc, je voudrais t'exhorter tout simplement à ne pas manquer à ces deux grands programmes qui changeront ta vie, qui ramèneront ta vie sur les rails, qui vont rectifier les erreurs que le diable a introduites dans ta vie. Donc, je pense que c'est capital pour nous de prendre cette histoire-ci très, très au sérieux. Donc, si dans votre famille, il y a des limitations, ce culte est pour vous. Si dans votre famille, il y a des points où l'exaucement n'a pas encore répondu à vos efforts spirituels, ce culte est pour vous. S'il y a des domaines de votre vie qui ne sont pas développés, ou vous ne ressentez pas encore que vous êtes à la place où Dieu voudrait que vous soyez, ce culte est pour vous. Il y a des choses dans votre vie. Vous voulez voir ces choses-là s'arrêter, des erreurs que le diable a introduites dans votre vie, alors ce culte est pour vous. Je vous exhorte très nombreux, très massivement, à ne point manquer à ce programme du côté de Yaoundé, du côté de Douala. Donc, nous allons finir ce mois en beauté avec les deux grands cultes familiaux. Après cela, il nous reste tout simplement un mois pour finir et sortir de l'année 2021. Donc, nous devons comprendre que cette occasion est solennelle et je dois profiter de cela. Moi et ma maison, nous serons dans la maison de l'Éternel. Après ta femme, après ton mari, après tes enfants, tout le monde, toutes nos familles, présentons-nous dans la maison de l'Éternel et Dieu nous bénira et Dieu nous restaurera. Donc, je voudrais vous exhorter, mes bien-aimés, à prendre à cœur cette cérémonie, ces deux grandes cérémonies du côté de Yaoundé comme du côté de Douala. Et pendant que tu viens, la main de Dieu sera dans ta vie. Dieu se manifestera, Dieu distinguera ta famille. Toutes les fondations maléfiques, les autels familiaux de la maison de ton père ou de ta mère qui influencent négativement ta vie, celle de tes enfants ou bien celle de tes frères, de tes soeurs, de tes cousins, de tes cousines. Alors nous allons prier, intercéder devant le Seigneur pour le renversement de ces autels. Dans tous les cas, tous les plans de l'ennemi seront détruits pendant ces deux cultes familiaux. La Bible dit le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc c'est important de se confier en l'Éternel lorsque tu sens que le diable est en train de mildiouser, de gangréner ton existence. C'est important de se retourner vers l'Éternel. Voilà pourquoi ces cultes sont des occasions en or dont il faut que chacun d'entre nous puisse profiter avec sa famille. Donc, bien-aimé, je voudrais que tu prennes cette résolution ferme dans ton cœur que je ne manquerai pas, moi et ma maison, à ces deux cultes familiaux. Si vous êtes du côté du Grand Littoral, venez à Douala. Si vous êtes du côté du centre, venez à Yaoundé. À Yaoundé, l'église est située en Kouaban. Vous demandez au Carrefour Kouaban qu'on vous amène à la Bire. On vous amènera jusqu'à la Bire et Dieu fera le reste. Et du côté de Douala, l'église est située au quartier Ndokbon, derrière l'immeuble Kamlin. Donc, je vous attends très, très nombreux. Comme vous venez, que la grâce de Dieu qui surpasse l'or et l'argent vous soit abondamment donnée. Les malades, venez. Nous allons prier ensemble. Dieu vous accordera la santé et la vie. Tout décret de mort précoce dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets, dans tous les domaines de ta vie, ces projets-là seront anéantis dans le nom souverain de Jésus-Christ. Viens avec un cœur plein d'espoir. Viens avec un cœur plein d'attente. Viens avec un cœur plein de foi. Et dis en ton cœur, je sais que comme je vais à ce culte, Dieu m'aidera, Dieu me sauvera, Dieu m'exaucera, mon Dieu me visitera. Si tu le fais de tout ton cœur, la grâce de Dieu sera ton partage. Je voudrais t'exhorter à ne manquer sous aucun prétexte à ces cultes familiaux. Et cette occasion t'est donnée, la main de Dieu t'est tendue. Maintenant, la question est simple, est-ce que tu quitteras ta maison pour venir où le peuple de Dieu se rassemblera? Nous allons prier comme jamais on a prié. Nous allons prier jusqu'à renverser les forteresses de Jéricho. Tu dois retrouver ta liberté, tu dois retrouver ta grâce, tu dois retrouver ta bénédiction, tu dois retrouver tout ce que Dieu t'a promis, toutes ses promesses pour toi, tu dois les retrouver. Il est temps que tu reprennes possession de ton héritage. C'est la fin d'année et la manière dont nous achevons notre année détermine comment nous vivrons dans l'année qui suit. Je prie que Dieu rectifie toutes les erreurs de l'ennemi dans ta vie. Comme tu viens pendant ce culte de plainte, que la main de Dieu soit ton partage. Et j'ai hâte de te voir, j'ai hâte de te retrouver. Moi, je serai là et toi, où seras-tu? Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.